Dynamiser et relancer le sport militaire, mais aussi relancer la décentralisation du sport. Aujourd'hui, nous sommes là pour soutenir les forces armées et de sécurité de notre pays pour qu'à leur tour aussi puissent se prendre en charge, organiser et mettre en place une organisation qui puisse les amener à faire de la détection et profiter à toutes les fédérations nationales. Ici, pour aujourd'hui, pour ne pas être trop ambitieux, nous avons voulu prendre trois disciplines, à savoir le football, le volleyball et la pétanque, qui est une discipline très très développée au sein de l'armée, pour une première. Donc ce tournoi, c'est un premier tournoi, mais ce n'est pas le dernier. C'est pour préparer la saison prochaine, pour que les forces armées de sécurité puissent mettre en place une organisation qui leur permettra d'organiser un championnat interarmé, comme partout ailleurs dans le monde. Il existe des championnats et nous amener à faire de la détection, profiter de cette masse pour faire de la détection et renforcer nos équipes nationales.